Le principe de la ressourcerie, c'est de récupérer des choses qui viennent en déchetterie. Donc, si elles sont simplement sales, on les nettoie, on les revend à petit prix. Sinon, si on voit un potentiel artistique, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans l'air du temps, on prend par exemple une table, on la ponce, on la relook et on la revend dans notre boutique qui est ouverte tous les jours, sauf le jeudi et samedi matin. On a 5 salariés depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment une sacrée montée en puissance. On a beaucoup d'adhérents. Les gens nous soutiennent parce qu'ils se disent que rien ne se perd et tout peut se transformer. Donc on a beaucoup de gens qui adhèrent au projet. Alors pourquoi on est venu là? Parce que Quimper Bretagne Occidentale nous a demandé de faire l'aménagement de toutes les pièces qui sont ici. Alors on a utilisé 833 kg de choses qui partaient à la déchetterie. Donc on les a relookées, détournées ou simplement certaines ont simplement été nettoyées pour montrer qu'on peut faire des choses super chouettes avec pas grand chose. On peut très bien prendre une étagère sur laquelle on rajoute, enfin une planche de bois sur laquelle on rajoute une ficelle, des petites perles et ça fait une étagère super sympa. Donc on voulait que les gens aient des astuces simples qui repartent d'ici avec des idées plein la tête. Moi je suis Charlotte, je fais partie de l'association Au bout du jour. Donc nous en fait on est une association de sensibilisation à l'alimentation, toutes les thématiques de l'alimentation, aussi bien la nutrition, le goût, le gaspillage alimentaire, les métiers, etc. Et donc aujourd'hui on est au forum zéro déchet pour parler justement de ce qu'on peut éviter de gaspiller dans la cuisine. Et donc du coup on travaille sur des recettes anti-gaspille autour des fruits, des légumes et du pain, parce que c'est ce qu'on gaspille le plus. Voilà, donc on donne des petites astuces pour faire par exemple des boulettes de légumes quand on a un reste de poêlé, un smoothie avec des fruits un peu abîmés ou encore un gâteau au chocolat avec des restes de pain. Voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie Mauger, donc je fais partie de l'association Zero Waste Cornwall qui milite pour le zéro déchet, pour la réduction des déchets au quotidien. Donc on sensibilise aujourd'hui, ici on sensibilise le public pour leur montrer comment on fait pour se lancer dans la démarche. Qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, des bambous, des sacs en tissu. Et puis aujourd'hui, nous avons organisé un atelier Furoshiki pour montrer comment emballer ces cadeaux de Noël, puisque c'est bientôt Noël, comment emballer ces cadeaux de façon durable avec du tissu. Et nous faisons également un atelier Tawashi pour montrer également comment remplacer une éponge jetable par quelque chose de durable. Voilà.